1, 2, 3, c'est pas nous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lily Rose? Sous ton lit, il y a un passage secret. Ah, trop bien, je suis trop contente! C'est génial, waouh! Ah, je suis enfin rentrée! Il y a la police partout, j'aurais jamais dû prendre ce coffre! Bon, je vais déjà fermer la porte. Hop! Maintenant, je vais le cacher. Bon, je vais le cacher ici. De toute façon, j'ai pas trop le temps. Hop! Esteban! Esteban, viens, j'ai un problème, dépêche-toi! Eh oh! J'espère qu'il va arriver. Qu'est-ce qu'il y a encore, Lily Rose? Pourquoi tu m'appelles? T'es déjà rentrée? Tu devais rentrer demain matin, normalement. T'es là, Esteban? Lily Rose? Oui? Mais ça va pas ou quoi? Pourquoi tu m'appelles comme ça, là? Qu'est-ce qui s'est passé encore? T'as vu, il y a la police devant chez nous. C'est une blague? Attendez. Tu savais pas? Mais non, je savais pas, c'est quoi tous ces gens devant chez nous, Lily Rose? Qu'est-ce que t'as fait comme bêtise? Rien. Non mais tu te rends pas compte, il y a au moins 3 voitures. C'est pas grave, hein. Mais si, c'est grave, ils viennent pas pour rien. Ah, c'est ça les sirènes que j'entends depuis tout à l'heure, oui. Je pensais qu'il y avait un problème. Oh, j'en peux plus là, qu'est-ce que tu m'as encore fait comme histoire? Ah! Quoi? Mais c'est quoi ton coussin? C'est rien, il est un peu dur dans cette maison. C'est quoi ça, Lily Rose? Un coffre. C'est quoi ce coffre-fort? C'est une blague ou quoi? Non, enfin oui. Oh là là, on en avait un, je l'ai jeté, mais celui-là il vient de où? En fait, avec oui, mon ami, on a décidé de... Comment ça avec ton... Chut! Quoi? T'as entendu ce bruit là? Oui. Ça vient de la porte. C'est quoi ça? Attends, qu'est-ce que c'est que ce truc? On ouvre ou pas? Chut. Ok. Écoute, t'entends ou pas? Oui. T'entends ou pas là? Non mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un derrière la porte là. T'es sûr, mais c'est pas possible. Ils ont réussi à rentrer dans la maison ou quoi? Non. Punaise, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va leur donner le coffre-fort. Bon, ok. Voilà, on va le jeter, ok? Attends, vas-y, tiens. Ok, d'accord. Voilà, j'ouvre la porte à 3. Ok. Et tu jettes le coffre-fort. Oui. Okay. 1, 2, 3. C'est pas nous! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a, Lily Rose? Mais regarde! Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ça? Eh oh! Ouvrez-nous! Attends, mais c'est pas possible! Passe le coffre! Eh oh! Y'a quelqu'un! Eh oh! Non, mais c'est pas possible là! Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait un mur de briques sur la porte de ta chambre! Mais c'est pas possible! Comment ils ont fait ça? Attends, mais ils sont encore là ou pas? Eh oh! Tout le monde a disparu! Regarde, y'a plus personne! Oh, mais oui! Mais... On n'entend même plus les sirènes! Ils sont venus exprès pour faire ça, mais je comprends pas pourquoi! Bah, je sais pas pourquoi ils sont venus, mais en tout cas, maintenant on a un gros mur de briques dans ta chambre! Génial! Comment on va faire pour sortir? Enfin, dans ta chambre plutôt! Qui nous empêche de sortir de ta chambre. Eh oh! Ouvrez-nous! Oh, ça a l'air super dur en plus. Eh oh! On peut rien faire. Je vais essayer d'appeler Peppa Pink, ok? Ouais. Allez, vas-y. Au moins, peut-être que Peppa Pink, il aurait une solution. J'espère. Allô? Allô? Non, mais il n'y a aucun réseau, Lily Rose. Mais c'est pas possible. On n'est même plus connecté à Internet. Comment on va faire? Comment c'est possible là? On dirait que le fait qu'on soit totalement enfermé, ça nous a totalement coupé du réseau. Je peux même pas l'appeler. Peut-être en ouvrant la fenêtre. Attends, Lily Rose. Quoi? La fenêtre est bloquée aussi. Mais c'est une... Oh, j'aurais jamais dû faire ça, c'est une blague. Alors, attends, vas-y, assieds-toi ici. Tu vas me raconter ce qui s'est passé. Vous l'avez pris où ce coffre? Un endroit. Non, mais où comme endroit? Parce que s'ils ont fait ça, c'est que c'est un minimum spécial quand même. Sous la terre. Sous la terre, vous l'avez trouvé? Mais de quoi, vous avez creusé là? Bah oui, on a vu que sur TikTok en fait, il y avait des gens qui trouvaient des trucs sous la terre. Oh, c'est pas possible, mais vous avez creusé, vous avez trouvé ça comme ça au hasard? Bah oui. C'est catastrophique. À mon avis, sans faire exprès, vous êtes tombé sur un trésor ultra important. Il doit y avoir plein de secrets à l'intérieur. Mais je savais pas que c'était important, moi. Bon, peu importe, il va falloir sortir de cette pièce. Ouais. Allez. Mais comment? Bah je sais pas. Eh oh! Si c'est un prank, ouvrez-nous là! Eh! Ça suffit! Eh oh! Bon, Lily Rose, je pense que c'est foutu. On va devoir. On a même plus de réseau. On va devoir trouver une solution pour sortir par nous-mêmes. Ouais. Je vais te dire un truc que j'ai jamais. Je t'ai jamais montré, mais. Regarde. Hop, sous ton lit, il y a un passage secret qui permet de nous emmener à un certain endroit de la maison. C'est vrai? Oui, c'est pour ça qu'on a acheté ce lit-là. Parce qu'en dessous, il y a un petit passage. Allez, c'est parti. Allez, vite! On y va. Ah, allez, c'est parti. Ah, le tiroir à fidget. Ah non, non, laisse-moi. Oh, ah non, vas-y en première. Vas-y en première, en fait. Vas-y. Ça va être chaud, là. Il va falloir au moins ramper pendant
50 mètres. Ça va nous amener dans tous les petits couloirs là de la maison. Les crouloirs. Ouais, les crouloirs. Ouais, je dis ça parce qu'ils sont minuscules. Allez, c'est parti. Allez, je libère le passage. Et on va prendre le coffre avec d'ailleurs. Comme ça, on pourra voir ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui les motive à venir tous comme ça. Allez, tiens, prends-le. Ok. Ah, vas-y, bon courage. Hein. Normalement, avant, j'avais un plan et ça amène jusqu'au grenier, ok? Au grenier? Ouais, ça nous amène au grenier, donc il va falloir monter. Hein. Il va falloir monter un petit peu. Allez, allez. Oh, mince, j'ai pas de lampe torche. Ah, attends, vas-y, prends le coffre. Ok, attends. Voilà, je sens que ça va être catastrophique encore une fois ce truc. Ah. Esteban, tu viens, t'es là? Allez, dépêche-toi, moi je suis arrivée. Ah, trop bien, je suis trop contente. C'est génial, waouh. Bon, allez, Esteban, dépêche-toi. Oh là là, c'est sûr qu'il est en train de faire sa sieste encore une fois. Bon, je suis trop contente. Waouh, c'est génial. Ah, mais c'est trop petit, ça se voit que ça fait des années que ça n'a pas été utilisé, cette doble. Allez, allez, Rose, j'arrive. Je vais rester ici, il fait chaud. Il fait bon, c'est une bonne ambiance. Je savais pas qu'il y avait des passages secrets ici. C'est trop bien comme ça, on peut se cacher partout. Mais c'est bizarre parce que Esteban, il m'en a jamais parlé. Ni Peppa Pink, ni Mama Pink d'ailleurs. Il me cache des choses. J'arrive. J'arrive. Allez, c'est parti. Bon, allez, Lily Rose. Oui. Ça va, t'as découvert les petits passages secrets ouais, de la maison. Ouais, mais pourquoi tu m'en avais pas parlé avant? Bah, ça sert à rien que je te parle de tout. T'inquiète pas, il y a encore plein de secrets à découvrir. Waouh. Bon, en attendant, je vais faire une petite sieste au calme. T'es sérieux? Et t'inquiète pas, à mon avis, la police, elle va pas revenir. Ils doivent s'en foutre non, de ce coffre-fort. On peut sortir. Non, non, on va rester ici. D'accord. Et d'ailleurs, le coffre-fort, tu l'as mis où? Bah, je l'ai pris dans le tunnel et je crois que je l'ai laissé à la sortie. Enfin, je sais pas. De toute façon, le principal, c'est qu'on soit là. Quoi? Tu l'as laissé à la sortie? C'est une blague. Il y a les policiers qui sont venus pour le récupérer. Ils ont muré la chambre, ils ont fait un mur devant. On a dû passer dans les tunnels, tout ça pour rien du tout. Mais c'est une blague. Bon, Lyros, tu vas aller le rechercher tout de suite et tu vas me le ramener. On va trouver le code de ce truc et crois-moi, on va voir enfin ce qu'il y a à l'intérieur. Ça, c'est sûr. Moi, je reste ici. Je me cache.